le transat, ça se passe comment? Écoute, ça colle d'aller, les cars se mettent en place, je me sens pas trop, trop mal. Tout va bien, on mange bien, ça va vite, même que le bateau n'est pas poussé, ça va super vite. Donc début top. Par contre, pour écrire en bas, non, ça j'arrivais pas. Dans tout ce qui était le poste en bas, j'ai de la peine. Mais là, sur le pont, ça va. Ok. Voilà. Car c'est pas trop difficile le rythme? Non, bah écoute, je trouve ça top. Enfin, au début, j'étais un peu surpris parce que tu te mets dans le rythme. Et puis là, ça va bien. Là, ça tourne assez régule. Et puis en fait, à 4, t'es tout le temps, il y a toujours quelque chose à faire. Ça te tient dans le truc. Ça me permet aussi de prendre mes marques, de trouver un peu quoi faire, d'avoir un petit truc à faire ici et là. Donc non. Parce que là, c'est première journée formidable. Il y a un bon vent, il y a 20 nœuds de vent. Et puis le bateau, ben, on a à peu près à 30, entre 26, 30 nœuds tout le temps. Mais sans forcer, non, pour un début, c'est exceptionnel parce que voilà, ça va vite, mais sans trop taper. Et puis jusque-là, tout va bien. Parce qu'en bas c'était la gerbe assurée, donc je préfère le faire d'ici. Donc c'est plus sécur pour vous. Tiens, là, tout ça.